Je ne veux pas faire la nomenclature des bénéfices dont a profité Monsieur Rabrab. Ce n'est pas mon rôle. Mais tout le monde les connaît. Donc, de grâce, on ne peut pas dire blidoulahgrat. Ceci n'est pas le fait du hasard. Et ceci n'est pas non plus venu par le Saint-Esprit. Ce procédé de victimisation qui fait que basta, y en a marre. S'il est le premier groupe industriel et de très loin par rapport aux autres, c'est parce qu'il a eu toutes les aides et plus que ça, des appuis continus de l'État. Et je voudrais bien, et beaucoup d'opérateurs algériens voudraient bien qu'il soit discriminé tel qu'il l'a été, lui. Alors, s'il vous plaît, je ne veux plus intervenir sur ce plan. Ma feuille de route n'est pas la feuille de route de Rabrab. Ma feuille de route est de ce qu'on est en train de vivre, créer des chances pour que l'industrie algérienne fasse, va aille de l'avant avec des partenaires qui nous font confiance, avec des Algériens qui en veulent eux aussi, pour que eux aussi ils aient la chance d'être ce que sont aujourd'hui les capitaines de l'industrie.